Arnaud Montandon, très bonne performance d'équipe aujourd'hui. Malgré tout, une défaite rageante. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire sur ce match aujourd'hui ? Certes, ça fait toujours mal de perdre en prolongation. C'est clair qu'on a bataillé pendant les 60 minutes, en plus en prolongation. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on n'arrive pas à gagner, même en travaillant. Donc maintenant, il faudra remettre les bouchées doubles pour le prochain match. Maintenant, on a la pause pour bien se récupérer jusqu'à la semaine prochaine. Donc on va remettre les choses en place. Ce qui est positif quand même, on pensait qu'il y avait un petit creux dans l'équipe. Maintenant, on a vu la réaction, elle est là, l'équipe est quand même prête. Hein. Oui, même si on avait enchaîné deux défaites d'affilée, l'esprit est toujours là, la combativité est toujours là, c'est un peu ce qui fait notre force, donc il ne faut surtout pas qu'on la perde. Donc c'était important ce soir de se remobiliser, ma foi, ça n'a pas payé, mais ça viendra avec le temps. Sur le plan personnel, deux dernières rencontres, deux fois auteur d'un but, c'est aussi pour toi personnellement motivant quoi. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de marquer un goal. En plus, en tant que défenseur, c'est un poil plus compliqué quand même pour un défenseur de marquer des goals que pour un attaquant. Donc après, c'est clair, le but ultime, c'est quand même de la victoire. Là, après, c'est clair, il faut marquer des goals pour gagner, donc pourvu que ça dure. Et puis, il faut surfer sur la vague tant qu'on peut. Maxime, bon repos et à bientôt. Merci beaucoup.